Comment ça s'est passé d'ailleurs ce concert comment s'appelle la salle? Excusez-moi, tu peux. On peut enlever. Oui, en fait, quand je fais sur le plan large, on voit que ça. Le paquet de cigarettes. Ah ouais? C'est une émission pour jeunes. Junkie. I was born in 1914 in a solid three-story brick house in a large Midwest city. My parents were comfortable. My father owned and ran a lumber business. C'est une bataille qui prendra de nombreuses années. On m'avait dit, c'est une guerre de 30 ans. La formule est malheureuse parce que la guerre de 30 ans n'a pas laissé un bon souvenir dans l'histoire de France. Et donc, je considère pour ma part qu'il vaut mieux dire c'est une guerre de 25 ans. Bon, pourquoi 25 ans? Enfin portée à l'écran, une œuvre qui valut la prison à son auteur. L'auteur Sade. L'œuvre Les Infortunes de la Vertu. On joue à Paris. Non, si on fait le golf Drouot au printemps, non? Ben, on fait le golf Drouot avant la salle de la Cité, je crois. Ça, c'est Christian d'Argelos, le bassiste, qui nous a trouvé le golf Drouot, qui pour moi est à tort. Maintenant, je reconnais à tort le temple du rock ringard français, celui des années 60, celui des copains, des yéyés. Et puis ça faisait 15 ans, vous imaginez, 15 ans, la musique des yéyés passée au golf Drouot. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette galère? À terminer deuxième. À terminer deuxième. Ouais. Un groupe dont le refrain disait « Je suis OK pour le poker ». Ça m'est resté. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Philippe Pascal, le nom de famille. Vous avez un joli prénom. Jeune adulte, quand j'étais adolphe de Bretagne, j'avais un ami d'enfance qui s'était amusé à monter un petit ciné-club. Le cinéma de patronage adolphe, c'était quand même assez limité, la programmation. Et on a regardé tous les films qui étaient disponibles dans le catalogue de La Folle, je crois, ça s'appelait. Donc il y avait tous les films muets, tous les films expressionnistes. C'est par les images que les textes me viennent, c'est pas de mes rapports avec les gens, je suis pas journaliste, je suis pas... C'est uniquement les images des films, des tableaux que je vois qui me donnent envie d'écrire quelque chose. Quand on voit le cabinet du docteur Caligari, quand on voit l'emphase de certains acteurs muets de l'époque, on peut trouver certaines correspondances, quoi. Ça va pas plus loin. Peut-être que j'en ai trop fait sur l'expressionnisme. Bon, mais ça n'a duré que le temps du premier album. Il n'en est plus question sur le second. Pourquoi tu dis peut-être que j'en ai trop fait? Parce que je me laisse toujours emporter par mes mots. J'en dis toujours trop que ce que je devrais dire. Preuve. صحرتني بالجمال والشفر القتال الحجبين هلال والعيون شهي. Je suis né à Sidi Bel Abbès en Algérie et à 6 ans, je suis avec mes parents
rapatrié. Mes parents étaient instituteurs dans la montagne, en Algérie, en plein pays kabyle. Et ils sont partis contraints et forcés. Et donc, voilà, moi j'ai grandi à Saint-Malo. J'avais la chance d'avoir un oncle d'Amérique qui vivait à New York. Et j'y allais un été sur deux depuis que j'étais adolescent. Et en 78, j'ai passé 3 mois là-bas. Et ça a été un booster extraordinaire parce que j'ai traîné dans tous les clubs, le Max, CBGB, le Ouras, qui était dévoué à la musique punk, enfin au rock new-yorkais de l'époque. Il est producteur, il a balisé 30 ans d'histoire de notre pays et influencé des générations d'artistes. Son nom, Darcel, Franck Darcel. Et là, je me suis dit, mince, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et c'était pas mal parce que j'ai puisé des idées, j'ai regardé un peu des plans de guitare, etc. Parce que dans ces clubs-là, on a les gens sous le nez, quoi. Et j'avais sympathisé aussi avec le patron du Max et il m'a donné accès aux loges et tout ça. Donc j'étais un gamin et je pouvais aller discuter. Après, il y avait Richard Lloyd de Télévision qui venait boire une bière, et donc j'étais. D'un coup, c'était Noël tous les jours, enfin toutes les nuits. Long line ain't got no end. Oh, there's a long line that ain't got no end. J'étais un fan total du blues rural des États-Unis, aussi bien du Texas que du Mississippi. Gilles Rethel, Anzia. On partageait les mêmes bancs au lycée à Saint-Malo. Et un jour, il est venu, moi je prenais le train tous les soirs, il est arrivé à la gare de Saint-Malo avec 2 disques, Hunky Dory de David Bowie, Transformer de Lou Reed. J'écoute ça chez moi et là, je suis la révélation. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Comment ça s'est passé, Christian? Moi, il m'a dit, j'ai vu un chanteur, et Christian qui chantait normalement dans Marquis de Sade, il s'est dit, j'ai vu un chanteur, ça serait bien qu'on le récupère, parce que Christian se sentait plus l'âme d'un chanteur à ce moment-là. Et je crois qu'il t'a invité à venir nous voir en première partie des Demd. Absolument, absolument. Mais par contre, j'ai pas le souvenir qu'on soit rencontrés. J'ai le souvenir du concert, bien évidemment. Et autant les Demd, moi, ça m'a ennuyé plutôt qu'autre chose. C'était vraiment un show à Las Vegas, quoi. Would you please welcome one of the best of the punk rock new wave bands, The Damned. Thank you.
Mais par contre, les Marquis de Sade en première partie, c'était Apocalypse Now sur scène. Quoi. Oh là 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 là, génial, génial. Tu plaisantes ou quoi ? Non, vraiment. Ah oui ? Ah ouais, vraiment, 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 vraiment. Non, non, j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé le groupe à ce moment-là. On était culottés parce qu'on ne savait pas très bien jouer. Pas vrai, on ne peut pas dire ça. Et donc, ils sont venus, vous êtes venus me voir. En concert à Saint-Servan. Où les Pentasol Leslie l'a ouvré pour Factory, un groupe de Givor. Un groupe genre Rolling Stone français, quoi. Et voilà. Et j'avais... Non, j'avais pas vraiment envie de... Bon, on a fait une offre d'emploi. Une offre d'emploi, concert, mais bon... Il a réfléchi et puis... J'ai dit non. Grimper par ruse, au lieu de s'élever par force. Non. Merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers. Se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Et puis une semaine plus tard, quand j'ai vu la sono de Marquis de Sade, quand j'ai vu qu'ils avaient déjà des affiches, quand j'ai vu la détermination du groupe, ben j'ai dit ok. Parler aussi à Rennes de l'importance des magasins de disques. Et donc il y avait un magasin qui s'appelait Disque 2000. On s'est tous retrouvés là avec les gens qui ont fondé les Trans après. Et Disque 2000 était un magasin d'import très très important. C'est Hervé de Bélizal qui tenait le magasin. Et il fournissait par exemple le Pop Club de José Arthur. Et toutes les semaines, il y avait les nouveautés de Disque 2000. Et Hervé de Bélizal est un des premiers importateurs du Velvet en Europe. Il a vraiment fait un travail... Il s'intéressait beaucoup au blues en dehors de ça. Il y a eu une collection de blues. Ouais, ouais. Moi, j'allais pour acheter mes disques de blues avec mon père. Mon père m'a acheté les disques à 42 francs 80 avec le sticker. Et ça coûtait la peau des fesses, les disques. Lady Gaga, dressed so demurely. That's the head of another curly head boy. Just another toy. Mais voilà, ce magasin a été important à une époque où les étudiants restaient beaucoup sur les campus. On hésitait à aller en ville parce qu'on trouvait ça trop cher. On ne se sentait pas bien dans le centre-ville de Rennes, d'une certaine manière. Surtout quand on est devenu un peu punk, alors il y avait très peu d'endroits pour nous. Et le magasin de disques, c'était le moment de pouvoir parler, d'évoquer l'idée de faire des groupes. Et ce magasin, donc 10-2000, a été le centre névralgique d'un peu tout ce qui s'est passé à la fin des années 70. Et c'est aussi le magasin où Hervé Bordier a été vendeur, donc futur cofondateur des Transmusicales. Étienne Dao a été vendeur là également. Tradition à l'époque, dans les concerts punk, c'est que le public crache sur le groupe. Bon, c'est pas terrible, mais c'était ça. Et le public, les Sex Pistols, recrachaient sur le public. C'était une preuve d'amour, sans doute. Mais les canettes pleines, ça fait super mal. Et là, les mecs, pourquoi ils ont fait ça, on sait pas. Pour faire mal, je pense. Oui, aussi. Good evening, ladies and gentlemen. We're sure glad to be here in Kokomo tonight. We're the good old Blues Brothers, boys, band from Chicago. I sure hope you like our show. I'm Elwood. This is my brother Jake. Well, my temperature's rising and my feet on the floor. Je sortais tous les soirs, quoi. J'étais vraiment un oiseau de nuit. Et assez vite, quand le groupe a commencé à être un peu connu, il y a des gens qui ont eu l'impression qu'on marchait sur leur plate-bande un petit peu. C'est-à-dire qu'on a commencé à convoiter
les jolies bourgeoises rennaises qui étaient un peu liées à un autre clan, on va dire. Enfin, nous commencions à désespérer. Il y avait tellement de voitures, hein, vous ne pouvez pas savoir. Nous avons failli commencer sans vous. Oh, ben vous auriez dû. Oh, vous plaisantez, voyons. Vous connaissez Madame Calmette, hein? Bonjour, madame. Bonjour. Et là, il a commencé à avoir des problèmes, mais avec des gens qui étaient relativement violents. Et comme nous, on ne pratiquait pas spécialement les sports de combat, j'ai fait venir à quelques reprises des amis, dont c'est le métier, mais enfin, qui aiment ça. Et ça a permis de cliner un peu autour de nous et d'être tranquille. $36 a week, but it's a paycheck, Jack. It's so hot in here, hot like Sahara. You could faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women that got no teeth and gum or cranium, and the way they suck hot sausage, but me, well, I wasn't saying too much neither. C'est vraiment Patti Smith qui nous a prouvé. Enfin, qui nous a montré qu'après tout, il suffit d'oser. Il fallait oser. Et les portes sont ouvertes à ce moment-là. Les punks, on les a enfoncés, défoncés à coups de Doc Martens. Et là, j'ai eu envie de chanter. Stéphane Loyant, de Dol de Bretagne. Donc Dol de Bretagne, c'est aussi une ville que connaît bien Philippe Pascal parce que son père a été instituteur et son père a été instituteur, a été mon instituteur quand j'étais en CE1. Voilà, petite anecdote, mon papa a été coiffeur et a coupé souvent les cheveux à Philippe. Big. Papa avait la particularité d'avoir un gel cosmétique que Philippe ne trouvait nulle part ailleurs. Absolument. Des frères Gallet, Pierre. Oh, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le gel de Pierre Gallet, un truc comme ça, ouais, effectivement. Et j'allais régulièrement à Dole uniquement pour m'acheter le gel. Oh, yes, nice sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear. And up and over the top of the head. J'étais mon propre coiffeur pendant très 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 longtemps. À l'époque de Marquis de Sade, c'est moi qui me coupais les cheveux. Quoi. Je savais pas trop comment m'habiller, donc il y avait un pantalon en sky que j'avais acheté dans un magasin de mobilettes parce que j'avais pas les ronds pour m'acheter un pantalon de cuir. Et puis il y avait un tube de Chatterton dans ma bagnole, donc je me suis tour avec ça. C'était pas prémédité, c'était. On a cru que c'était un accident de bricolage au début. Je pense qu'on imaginait que les costumes, c'était un peu classe. Quoi. On avait peut-être envie d'être un peu classe. Ouais, tout à fait. Messieurs de Fursac. Messieurs de Fursac. Messieurs de Fursac. La griffe de l'homme. Les mots n'étaient pas, vraiment pas importants pour moi. C'est venu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et c'est pas une boutade hier quand j'ai dit lors du concert que lorsqu'on a reparlé de la formation de Marquis de Sade, il a fallu que j'écoute les disques. Ça a été vraiment un cheminement assez bizarroïde pour oser réécouter ces disques que j'avais pas entendus depuis 36 ans. Et je me suis servi du moteur de traduction Google pour savoir de quoi je parlais dans ces textes.
C'est le costume de mariage de mon père. Le costume, le fameux costume bleu, là, avec la petite étoile rouge que je porte à Chorus. Et on se les a fait piquer peu de temps après, lors du concert que Marquis a donné au Bain-Douche. On avait garé la voiture dans les environs du palace. Et Fred avait oublié de fermer la voiture. Donc. Envoler les costumes. Et on ne nous verra plus en costume ensuite. Hein.